comment même n'a pas parlé à la bagaille la compliqué pour le mois sans jour. Diverses personnalités commencent à poser quelques questions. Qui s'apprête à le passer citoyen ça après quelques temps? Même carrément, il faut comprendre ça. Avec un pile sincérité, la police nationale d'Haïti vraiment motivée pour manger vagabond. N'a profité dans même émission ça, bon détail de travail, monsieur Kobal, commissaire Muscadet, arrivé fait de façon musclée plusieurs petits voyous. Monsieur Sao qui avait perdu la vie, il m'a profité, dis-nous, un pile problème qui a passé. Commissaire Muscadet, frappez plus fort. Et sans nous pas oublier, mesdames, messieurs, parler de Aurélie au secours pour les gens qui vivent dans Thomas Carillo. Les gens qui sont dans le pays Chili, dans Thomas Carillos, les gens qui, dans le moment même, n'ont pas parlé à la qui en bas de l'eau. Mais la majorité de les gens, mesdames, messieurs, ce sont des Haïtiens, malheureusement. En pile détail pour le tomber dans l'émission, ça. Restez là, on a bon paquet d'informations. Ce qui est important, c'est Jean-Lamour Saint-Joux. Comment c'est que le problème, non? Et on peut aller saisir tendre qui s'acrive, monsieur. Mais au départ, on dit nous, monsieur malade, monsieur pas senti bien, monsieur pas porté bien du tout. Bagaille t'assemblé commencer en main en main, monsieur ça. On peut aller saisir, ouais, comment la police commence à faire bon travail. Même on dit ça, nous avons besoin de 2-3 petits magalis mélangés pour nous capables d'avancer. Ouais, qui s'en est capable de faire pour avancer, mesdames, messieurs. Donc, en pile détail pour le tomber. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment vous êtes, Sénat, est-ce que tout va en forme? Moi, bien content, mais restez là, nous dit à tout coup. Objectif, moi, c'est permettre que parler ou comprendre ce qui a passé dans le pays, malgré certaines fois, nous ne pouvons pas le comprendre. Tout ça qui est important, c'est prendre le temps de s'accouiller, abonner à la chaîne Elsa, parce que c'est la meilleure façon pour capable d'encourager à travailler ça, c'est l'abonner. Qui ça qui a passé le mois sans jour, mesdames, messieurs? Le mois sans jour, qui c'est jeune garçon qui a mené base 400 Maozo, ça fait quelques temps. Depuis le départ de monsieur Yoyo, mesdames, messieurs, et bien le mois sans jour. Qui ça va galayer? En pile monde ne comprendre. Monsieur, c'est une année qui gagne en pile intérêt. Mais mesdames, messieurs, je vais profiter de mon paquet de détails puisque le mois sans jour, c'est une année qui gagne une certaine compréhension de paquet de choses. Même vous voulez nous comprendre assez avec sincérité, ça qui, à la base de ça qui a passé là, c'est des bagailles qui tardivent. Non seulement c'est des bagailles qui tardivent, c'est des bagailles côté que l'État en soi a supposé commencer à faire de grands mouvements. Mesdames, messieurs, l'amour sans jour qui a dirigé Baza depuis quelques temps, malheureusement, monsieur, dans le moment même, n'a pas allé à là, monsieur, situé dans la zone, monsieur, toujours dans la base de Thomaso. Mais m'a dit nous c'est un de Thomas honnête puisque c'est là monsieur qui choisit mettre tête li pour capable résoudre problème que la police ka vinn affronter n'importe moment n'importe là n'importe genre. Et monsieur fonge pour le sauver tête li pour le mettre tête li dans situation côté même si effort que la police t'a fait pas capable rivel. Mais madame monsieur dans zone côté monsieur situé là c'est normalement dans zone Thomas. Et ceci là où vous avez l'église cette année, vous qui connaît la zone Thomaso très bien, vous pouvez voir que en haut tête, dans la digue, vous passez en lénette, vous allez tomber dans la digue. Et là où vous tombez dans la tête dans la digue, mesdames et messieurs, vous pouvez finalement joindre. Ok? Vous pouvez aller mouter net en l'air. Vous passez devant l'église Sainte-Anne, la police met tout prend ça, et vous allez dans la tête en haut dans la digue. Mais l'on passe dans la zone ça, dans zone Foudoche. Ok? Dans zone Foudoche, ou aller dans les nets et ou arriver dans la tête de l'eau ça. Parce que tout le monde connaît zone ça très bien. Et ma profite dit à la police, l'on arrive dans zone ça, il faut faire pile attention. Parce que debout de fin de passer tête l'église, ou arriver dans zone Nandig, ou aller. Et bien finalement, ou nos situations qu'on a, côté que mesdames, messieurs, pas gagner route machine qui vous fait. Non seulement pas gagner route machine, ou pas gagner moyen pour passer. C'est nègre seulement, mesdames, messieurs, mes frères et soeurs, amis, qui est capable de passer. Et ceci, il faut que c'est à pied pour nous tous avancer. Qui ça va à la bralie comme difficulté? Quand nous arrivons dans l'espace qui est un espace très stratégique, pour qui ça me dit un espace très stratégique? On va le saisir, on dit ça. Et on va le voir ça avec un peu de sincérité. C'est parce que mesdames, messieurs, monsieur Sayo prend le soin, en quelque sorte, de créer
yon série de difficultés ou bien d'a ka di sa fragilité sur route là l'on passe dans tête zone et en les mesdames messieurs dans foudoche eh bien ou vinn grand pile difficulté pour capable passer parce que non seulement pas gen route qui fait dernier monde qui t'a pas laissé font bagarre dans zone ça c'était René Gracia Préval de l'or pas gen rien qui fait dans zone ça encore donc la police vinn gen difficulté pour capable avancer avec matériel yo c'est-à-dire c'est aller à la bataille avec négio plusieurs hommes qui t'a dû descendre au Dimosque négio t'a utilisé des drones et quelques hélicoptères pour permettre que yo capable river identifier en droit que monsieur mais qui t'a dit non monsieur tellement dans espace qui très fond qui stratégique il y a deux soldats monsieur qui pas même carré côté lié et c'est pour cela m'a dit non l'on descend ou aller en les net ou river dans tête de l'eau ça. Et mais mesdames, messieurs, c'est à pied pour nous essayer de marcher. Dans voûte ça, il faut me dire son voûte lié. Et ça vient poser un paquet de problèmes. Mais du fait que ça pose des problèmes, parce que l'on avance dans voûte là, mesdames, messieurs, il faut le dire que c'est pas un espace que tu as entré comme ça. Et son j'aime dit non, monsieur, il y a des soldats, des nègres qui sont mieux placés, qui pas même qu'on côté lié. Mais mes frères et sœurs, la police supposée fait fil attention. Mais maintenant, quels sont les avantages et quels sont les désavantages dans cette situation? Là où, mesdames, messieurs, la police gagne comme devoir finir avec M. Sayo, finir avec le régime Sahar et pour capable avancer. Qui ça doit faire? Et qui ça doit faire en fonction des faiblesses qui existaient? Eh bien, à un moment même, n'a pas lié là, cet homme. Ou bien ce petit voyou, monsieur va vivre santé. Et non seulement monsieur va vivre santé, monsieur a de grandes difficultés par rapport avec des déficiences ou bien des manques de munitions. Je fais me connaître que la MP dit nous déjà à travers sous-main que monsieur qui l'aime se tape déplacer, monsieur pas déplacé avec un pays soldat. Et deuxièmement, monsieur pas déplacé avec assez de munitions et des armes. Puisque, mesdames, messieurs, il y a ce ou bien le tranche de monsieur, de l'ancien chef collègue, groupe de ça a décidé de dire pour collaborer avec l'homme sans jour. Et il est à noter que la police récupérait plus que 75% de matériel, ça y est. Même si il y a plus que 300 000 dollars dans le mail, selon l'information que nous gagnons, qui est vraiment disposée, je ne suis pas capable de jouer une munition achetée. Et bien, au moment même, je parle à l'âme, je ne suis pas juif santé. Et l'âme dit, je ne suis pas juif santé. Ce n'est pas on est comme si. On a fait mensonge de lui, non? C'est un homme en difficulté, certes. Et le grand difficulté par rapport avec chacun de ceux qui sont vous avancer. Et bien, mesdames, messieurs, mes frères et sœurs, amis, selon l'information que nous gagnons qui disposait, monsieur, il y a un problème pendant deux jours là. Malheureusement, il n'a pas qu'à lever, puisque monsieur asthmatique. Et m'a dit nous monsieur fait oppression déjà parce que m'a gagné ça comme information. Et m'a gagné. Mais maintenant, ce que vous devez savoir dans ce dossier tout à fait intéressant pour la police nationale d'Haïti, eh bien, madame, monsieur, monsieur, dans le moment même d'en parler à là, c'est caché, monsieur caché dans le gros clan, dans Tomaso, pas peur de se faire tuer. Et monsieur connaît bien. Mission négio c'est débarquer avec tête monsieur, n'importe gens. C'est forme tête monsieur, la République a tenu dans la police. Mis à part de Ocha que nous baillons déjà pour bel travail qu'il a fait. Et ce que nous voulons c'est cette tête. Et de manière grande, sans que pas gagner aucune erreur qui passait par rapport avec mission ça. Et il faut dire sans pour ne pas perdre aucun policier. Dans le travail ça qu'a fait là. Et m'a dit nous ça, m'a ban ça comme information. Dans le moment même n'a pas parlé là, monsieur pas qu'à utiliser téléphone Android ou téléphone iPhone. Tout téléphone soit servi là, c'est tiré au canard afin que monsieur pense ça qu'a empêcher qu'il localise côté là. Et quand pegou men lié tonton. On mettait green côté connait me connait hein. D'ailleurs, dit c'est qui voyou pas peur va peur, faut camper pour faire ça faire. Donc je salue l'effort fait par la police nationale d'Haïti au fait pour détruire, afin de réduire au vecteur nul, au néant, hein, ces groupes armés, surtout ceux
de base 400 maos. En tout cas, la police continue à frapper. Frapper King et frapper Jean de travail là. Parce que Jean Negio campé là, faut que nous campions mal. Nouvelle émission que moi viens avec là, c'est sous la richère par rapport avec situation que Haïti a connu ces derniers temps, j'ai baga la compliqué dans mes noms. Ma vie navel, il me prend bon détail dans paquet de bagages qui a passé dans le pays. Au départ, on dit nous, coup là, les 161 gouttes face à $1. Je vous aime tous. Malgré nous avons insisté pour te citer quelques là-dedans, mais on n'a pas fait ça. Mais il y a une Fédération nationale maire d'Haïti qui souhaitait réagir par rapport à l'intervention. Ça, avec nous, Jude-Édouard Pierre. Bonjour. Bonjour, Gary. Bonjour, Guy. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, Maïssa. On salue au guerrier, tout le monde qui est avec vous. Et merci parce que dans nos possibilités, nous avons une réaction par rapport à la déclaration tête en bas et temporaire en fait contre magistrat. Et premièrement, ce qui concerne le changement, yo, et que lui dit que c'est. Allô? Il dit que le magistrat a sous sécurité et qu'il m'a dit maintenant pour changer. Nous voulons. Et dit que nous prenons acte des actes d'intimidation, ça y est. Et nous avons recueilli PM par la belle, parce que ce PM a été accepté avec le cap qui va nous parler de la radio. Mais c'est une démarche pour lui satisfaire l'engagement politique qu'il prend dans la période pilote. Et que nous-mêmes, nous avons dit que le barricade n'est pas l'avenir jeunesse là. L'avenir jeunesse là, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est l'encadrement, renforcer la collectivité. L'avenir pays, c'est la décentralisation. C'est organisation élection de manière régulière pour que ce monde qui a une légitimité qui a décidé pour le pays, qui a décidé pour la commune, qui a décidé pour la section communale, tant que magistrat, tant que président, tant que député, tant que sénateur, tant que parlement avec des délégués de ville, c'est pas le monde qui a fait un mouvement politique et que, qui par la suite sorti de nulle part, qui prend pouvoir, qui a fait déclaration intempestive, alors que. Il y a une responsabilité, une construction, une déconstruction, un dialogue pour une solution, une sortie heureuse à cette crise gangrène la République. Fédération a soulevé totalement indigné par rapport à la déclaration SAO. Et nous croyons que ça va pas aider du tout, non, une sortie de crise que nous tous espérons. Et je dis à le plus qui reste en matière de sécurité dans le pays, c'est magistrat, kazek, pasteur, prêtre, leader communautaire qui a écrit pour que tout ça continue. Et travail à la police a fait, je dis à nous-mêmes, magistrat, nous très proches de la police, nous avons continué à aider, nous avons continué à dire kazek, à ce que nous avons une responsabilité parce que nous avons une élection, nous avons un vote populaire en main nous pour nous battre au service, pour continuer à communiquer à la police. Pas la police de formation pour continuer à faire travail. Et déclaration ça, moi t'as souhaité que le premier ministre prenne distance par rapport à eux-mêmes, parce qu'il y a un autre acteur qui veut jusqu'à la table pour chercher et aider le gouvernement vers une solution qui pape du tout en bien. On se dit ça comme des signes d'encouragement. Donc que mettre là lui-même décidé pour le rétracter sur la décision ça, sur la déclaration ça, qui a envie une relation collectivité. Avec le pouvoir central là, même si nous reconnaissons que il n'a aucune fonction officielle dans l'administration publique là, et que c'est une déclaration politique, parce que justement, il a besoin de mettre le monde dans les lieux par rapport à l'engagement qui te prend. Les lieux, c'est pour la République, mais l'État n'a jamais fonctionné. Donc, une démocratie à la haïtienne pour ces monde qui n'a aucune légitimité, et bien qui voulait diriger. Donc ça va la fin. Parlement doit camper rapidement, mais il doit bien élu dans tête, c'est ce communal pour effectivement trois pouvoirs camper pour que l'IA joue une sécurité, pour que l'économie de l'IA redémarre. Je dis à tout crime qui est fait, justice pas faite pour personne. Je dis à nous reconnaître le mode opératoire Montaïo. C'est assassiner le caractère au départ, affaibli adversaire pour finalement assassiner physique la vie. Nous-mêmes maires, nous-mêmes cadets, nous renouveler solidarité nous. Pour nous dire que nous connaissons baisse. Si baisse tu connais, force-le. Ce n'est pas un petit monde 11 ans qui a mené là-bas droit. Ça, nous prenons acte de ça. Et au niveau fédération, et l'IO,
nous entrons réunis pour une position de principe sur ça et demander au gouvernement, demander pour le ministre Ariel qui déjà pas accepté et à provocation ça y est, pour lui continuer, pour lui parler avec M. ça, pour lui dire attention, collectivité nationale, l'État et tout. C'est le KPD. Je dis à Guéry, c'est 26 mois, 27 mois, avec la casette, depuis le Guéry, il n'est pas touché. Je dis à c'est toutes les lignes qui sont fonctionnelles. Je dis à c'est gaz qui n'est pas gagné. Je dis à c'est l'hôpital qui n'est pas fonctionné. Je dis à c'est le monde qui n'est pas fait césarienne qui a mouru. Côté engagement, après qu'il te gagne pour après 2-3 mois, que le pays a marché. C'est ça qui peut parler. C'est pas fait diffamation. On va chercher faux prétextes sur ça. Nous-mêmes, nous entendons. Nous nous combattons pour nous aider l'État, le gouvernement sorti en situation liée jeudi pour l'élection organisée, mais il faut bien respect des fonctions locales parce que tout ça continue et nous avons passé par l'autre moyen pour faire l'autre coup parce que nous avons accepté ça encore. Nous protestons, nous avons vraiment protesté contre une déclaration incendiaire qui exposait la vie des maires de Kazakh, des élus locaux, et bien dans la condition ça. Nous demander pour le gouvernement prendre distance rapidement par rapport à l'éducation ça et aider et à renforcer la décentralisation parce que l'avenir du pays a la décentralisation, c'est pas ça. Cap fait que ça. Magistrat Jude Edouard, nous-mêmes, bon, ici, qui t'a parlé à M. Michel, nous, bah, M. Michel bénéfice du doute parce que son dirigeant politique, son avocat, nous. Pensez que le vacciné, le Jean-Bélaré Poucol, il probablement dit et ça, et il compte ça la paléa. Maintenant, vous autres au niveau de la fédération, est-ce qu'il ne pas penser que c'est trop facile pour nous juste démentir? Nous ne pas qu'à prendre comme prétexte et puis nous menons enquête pour nous garder est-ce que pas gagner vraiment des magistrats de pays qui de connivence avec bandits ou bien qui de mèche avec des groupes armés, même les patins dans la région métropolitaine, mais le doit dans n'importe l'autre côté sur le territoire, puisque je dis, on a parlé d'un pays qui est gangstérisé. Bon, c'est juste rété, dit non et ou bien vous y jeter d'un revers de main. Pour moi, même est-ce que c'est pas trop facile? Bon, c'est ça qui a toujours arrivé, ou je un magistrat, ou je un casier, ou je un ministre, ou je un président, ou je un sénateur, ou je un député, ou je un directeur général, ou je un citoyen qui est associé. Allô? À la vie des gangs. Ça fait des particularités que la DCPJ est bien douée en plus. Nous avons pris contact avec le magistrat de l'Edouard, nous avons établi contact là. Problème technique avec nous. Oui, c'est problème technique. Fait perdre contact avec le magistrat. Mais ça permet de quitter nous l'eau nous-mêmes parce que c'est peut-être là le problème. Nous avons parlé avec le magistrat Jude Edouard Pierre qui a réagi. Allô? 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 Oui. Oui, nous t'ai perdu contact avec vous. Oui, vous t'as répondu à une question de Zonia qui dit est-ce que ce n'est pas trop facile pour non seulement vous y jeter et déclaration. Ça, c'est vrai que M. André Michel lui-même n'est pas précisé. Hein? Parce que oui. Là, il y a tout, en coup, c'est. Après, oui. Quand même, moi, t'as dit Johnny, une petite question là, c'est sens. Mais effectivement, pour mes démarches, nous. C'est rejeter déclaration ça, le deuxième niveau à tout, c'est chercher qu'on est, le fondement ça. Alors, qu'on y a, on dit qu'un sénateur, un magistrat, un kazek, capable toujours dériver, un pour président, un pour le directeur général, un responsable public a toujours dérivé, lui à l'entrée dans l'activité ça. Mais c'est une particularité. Il y a une institution qui est là pour ça, il y a une CPJ, nous on qui fait travailler de manière régulière, sans partialité. Donc si mettre là une information, c'est pour la guerre qui va ajouter l'opprobre sur la route des maires dans sa globalité. Alors, vous pouvez dire que nous pas l'accepter que les maires pour les cieux, il y a même dit, non monsieur, mais c'est du n'importe quoi. Mais parallèlement, il faut avoir une motivation politique là. La motivation politique là, c'est que nous demandons pour retirer eux. Pour qu'il y ait l'élection qui fait. Donc, c'est moyen pour faire débouchage, mettre le monde par lui qui pour préparer quelqu'un pour lui. Mais ce qui est arrivé, c'est que un monde qui veut s'habiter public n'a pas fait déclaration ça comme ça. Si un bon policier, un bon magistrat, un bon cadre, un bon directeur général, ou bien quel que soit le monde, une formation, une position, monsieur Saïe, dans le gouvernement,
Mais c'est très simple de CPJ d'apprendre qui était sur le livre, d'accord, Johnny? Très simple, parce que nous avons dirigé Jodia. Jodia, assis par Jean Cafet, le magistrat qui est en prison, et Pestel et Jérémy, assis par Cafet, la capitaine en prison. Ce système judiciaire-là, totalement à genoux, mais ça, ta préoccupation, avocat Pepla. D'accord? Pour effectivement, le système judiciaire autrement coulé parce qu'il y a une position de pouvoir, il y a un exercice de pouvoir, il n'y a pas faire déclaration, c'est fait constat et puis aider à une solution à ensemble de problèmes qui viennent dans le pays aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas une promesse politique encore, c'est le monde qui a exercé le pouvoir. C'est bien ce pouvoir, il contrôle tout ça qu'a fait. Donc ça veut dire que nous, au niveau maire, nous acceptons ça du tout, la même, nous n'avons pas de problème. Le mode opératoire, ça, nous, maintenant, nous avons vraiment combattu pour magistrat, par victime, justement, par rapport à la déclaration insensée, ça, qui vraiment exposer les fonctions locales à des risques politiques énormes. Parce que nous pas responsables si on a l'élection, par rapport à vote. Nous pas responsables sur l'élection de mieux. Ok? Je veux dire, on va dire, nous sommes jeudi dans le monde. On va dire nous Simon en gang, on va dire Judy Douane en gang. On va comprendre, mais c'est du n'importe quoi. Sous information sous un magistrat Johnny, sous information sous un casier Johnny, je dis non, sous information sous un dirigeant Johnny, je dis non, et pour les fédérations ou bien les CPJ, constat, et puis décision prend, ou d'accord. Mais alors, parce que on a des problèmes avec un magistrat de magistrat, parce que besoin on mérite pour le ministre pas accepter, bah ou pas accepter. Fait des bouchages, fait des ordres, mais peut-être ça, on va exposer les maires, les élus locaux à des risques politiques aussi, aux conséquences aussi incalculables. Mais c'est du n'importe quoi. Nous-mêmes, on continue à croire que barricade pas qu'avenir jeunesse là. On continue à croire que l'avenir pays a décentralisation. On continue à croire que mythe pour notre ancien faut nous déconstruire. Faut nous renforcer les régions. Faut nous renforcer les tribunaux. Faut nous renforcer les collectivités. Faut nous, je dis à Port-au-Prince, pas de la vie, mais jamais Jérémy au Cap de la vie. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est ça que nous dit. Je dis à mes 5-6 jours derrière, ma carte pas de fond, pas de gaz, monsieur un exercice de pouvoir. C'est ça pour organiser. Comment pour garder le pays? Comment pour la police jeune plus moyen pour démentir les gangs? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas non, je dois être ce monde. Moi-même, débat publication, je vais faire ma vie n'avait pas l'appui pour montrer que justement, sujet qui est important, c'est pas parce que les Nations Unies m'ont dit. Et tu peux faire pression le dia pour mettre là, c'est ça l'affaire. Est-ce que d'accord qu'il y a un gouvernement là-dedans et ultimatum? Comment on a ultimatum? Ou c'est porte-parole, ou bien ultimatum, ou une commission de dialogue, ou bien ultimatum au gouvernement. Donc, le problème qui pose, le défaut qui pose en termes de protocole républicain, en fait. Donc, moi, je crois que tout ça a supposé traiter avec la plus grande diligence par le gouvernement ministre. Parce que nous-mêmes, magistrats, au cas de Dieu, déjà, entre nous, ce qui sont ça, c'est aider le gouvernement à créer les conditions nécessaires pour la tenue la plus rapidement possible des élections dans le pays, parce que n'est pas possible pour ces gens qui n'ont aucune légitimité, qui sont de nulle part, qui n'ont pas de décision au nom de la population, qui ne reconnaissent pas parce qu'ils n'ont pas investi de aucun pouvoir, d'aucune confiance au fait au terme d'un processus électoral qui se marfabrique démocratie, de service. Magistrat Jude Edouard Pierre, nous te quittons prendre temps pour élaborer, mais bon, quittez me camper pour me poser une question. Ça, depuis quelque temps, toute décision qu'a prend dans le pays a été faite en dehors de la Constitution, et même gouvernement ça qui monte là. Et majorité dans la municipalité, ça a classé de monde mandat et fini bien longtemps. Je pense que le gouvernement il doit décider de son plein gré ou bien de concert avec SDP qui est un allié principal décider de changer. Allô? Allô, oui. Oui, vous entendez moi, Kounia? Oui, Kounia, oui. Ok. Moi, t'as dit que depuis quelque temps, et toute décision qu'a prise dans le pays, c'est deux décisions qui fait des deux constitutions en dehors de la loi. Et même gouvernement, ça qui est installé là. Et de concert avec SDP, gouvernement doit décider de son plein gré, changer municipalité, puisque majorité dans la municipalité, bon, pas dit tout, c'est de monde, mandat fini. Donc, qui sa municipalité a réglé de concret qui t'a mandé pour t'arrêter sous pouvoir toujours et pour gouvernement va changer. Merci. Au fait, c'est un constat que mandat élu pour fini.
et ils sont constatés que les gens qui l'ont, c'est des gens qui investissent dans une confiance populaire et au niveau collectivité. Pour une islam sorti d'un accord politique qui pas du tout pacte là-dedans, mais qui bat la possibilité pour le diriger parce qu'il y a un support international. Allô? Effectivement, et si pour une islam n'a pas décidé de remplacer le magistrat en place avec, la celle dans l'illégalité la plus totale, parce qu'il n'y a pas de ça comme responsabilité, comme mission. Mais la République n'est pas crasée pour ça. Mais je dis à d'accord, que nous, pas de magistrat, pas de moyens pour la service. Mais question de la question, nous avons les gens dans notre temps tout libre. Que nous nous disons, si je dis au 26 mois, 27 mois, ou pas payer les gens qui l'ont, ou pas faire des jeunes gaz, ou pas réparer le matériel, si l'employé ne pas toucher, il ne va pas même acheter un bouette. Mais nous avons mis le sauval bail parce que nous avons 27 mois déjà. Je ne peux pas qu'on se comprenne. Donc, je vais taper Galimatia. Et à tous les niveaux, le Blancat fait, ce n'a pas changé de position sur la crise. Il faut un accord politique. Les acteurs doivent se parler et mettre la République en priorité pour détacher des ambitions personnelles. Pour dire que si je suis en position de pouvoir, moi, c'est magistrat ou c'est ministre, ou à toucher ou bien en personne de privilège. Dans l'intervalle, nous avons dirigé à passer l'hiver. Donc, il faut un dépassement de la part des acteurs politiques pour dire qu'il faut que l'élection soit faite, pour dire qu'il faut que la police ait plus de moyens, pour dire qu'il faut qu'on puisse organiser, il faut qu'il puisse intervenir. L'économie est bloquée depuis environ 14 mois, 15 mois, et toute l'économie est effondrée totalement. Mais attention, parallèlement, c'est seule commune, l'école fonctionnait régulièrement là-dedans, l'école. C'est seule commune qui marche là-dedans de manière régulière. Mais nous avons des questions, mais pourquoi il y a cette particularité par rapport à l'autre commune de métropolitaine d'eau. Mais c'est au lieu de mettre la tâche chercher ça comme information, pour garder engagement maire, casette avec eux, engagement citoyen, non garantie sécurité, c'est juste le problème sur les fonctions locales, c'est exposer le risque politique et j'aime dire tout à l'heure, pour capable d'affaiblir ensuite les premiers billets. Mais on s'en fout qu'il y ait une première ligne. Non, nous sommes dans l'élection, nous faisons tort parce que nous sommes à l'élection encore pour nous jouer la sanction du vote populaire. Donc, nous n'y pas joindre. Je dis à juste plus légitimité qu'un monde nous a permis. D'accord, nous sommes juste de plus légitimité qu'un monde nous a permis. Mais sinon, ainsi de suite, moi, tout le monde connaît comment la mobilisation Jovenel est écrasée, comment la communauté mérite, collectivité, comme élite, comme tout le monde frappé par la mort. Ça, et que je dis, pas un système judiciaire qui a parlé de justice. C'est pour le premier citoyen de la République qui a été assassiné aussi lâchement. Mais nous ne pas dirigé au niveau milieu, ce qui n'a pas cas au pays. Nous exposer tout à ces mêmes risques politiques. C'est ça que fait. Et paroles pas parlées, pas portées par officiels, par responsables publics, c'est des paroles d'union, c'est des paroles qui pour rapprocher nous davantage, pour avoir un consensus, pour aider le pays à changer. Nous avons accepté une déclaration interprétative d'ailleurs encore. Et chaque fois au sein, on a organisé une nouvelle collectivité pour nous donner une réponse appropriée. Parce que nous partageons, mais ils nous passent, nous avons science mairie, nous avons science collectivité. Nous là pour un mandat 4 ans. Mais attention. Après 12 mois, 13 mois de gouvernance et 33, les choses ne s'améliorent pas en termes de fonds de services publics, en termes de cohésion sociale. Il faut que le bagage soit fait. Ok, on a pas fini avec ce palais Sandra Fer matin qui c'était tout simplement on doit de réponse et par rapport à l'intervention de Maître André Michel. Non, mais là, expliquez-nous, non, qui ça qui fait que jodi en là, il y a des mairies qui doivent employer tout. Et moi ça, par exemple, Jacques Mel qui doit presque 40 mois. Comment ça? Est-ce que c'est parce que Mario pas fonctionné? Qui ça qui... C'est un laisser garder côté problème dans yé. Pour comprendre ça qui passe, il faut garder trois catégories de collectivités de l'IO et puis garder le soi de l'État central par rapport à chaque catégorie pour garder est-ce qu'il y a plus de par emploi. D'accord, c'est une possibilité d'expliquer comme l'opinion de ça, c'est un cas organisé. Ni première catégorie, ni deuxième, ni troisième catégorie. Ni première catégorie, ne dépend pas de l'allocation, l'État, l'allocation du ministère intérieur, bail pour le gouvernement, pour l'État, pour supporter les dépenses de fonctionnement et d'investissement
au niveau des collectivités, des collectivités, les Delma, Carrefour, Port-au-Prince, Pétionville, Tabar, voilà, c'est une première catégorie. Donc, il y a une catégorie, une deuxième catégorie qui sont les chefs du département. Bien, l'un des premières catégories, est-ce que ça veut dire que eux-mêmes, ils sont plus ou moins capables de payer tête, ils ont fait au CER? C'est un revenu propre, entre guillemets, qui doit aider pour exécuter les dépenses de fonctionnement et d'investissement à travers le budget que la Cour des comptes ministérielle a approuvé. Le budget n'a pas reçu la subvention à l'allocation de l'État de manière formelle pour les faire payroll, pour faire investissement, ni Tabar, ni Carrefour, ni Pétionville, ni Port-au-Prince. Pétionville, le budget, par le fait, il a reçu quoi? En partie, donc il est en commune deuxième catégorie, donc Port-au-Prince, le chef du département, Saint-Marc, et la commune deuxième catégorie, que souvent en partie. Mais la commune deuxième catégorie dépend totalement de l'allocation du ministère intérieur à travers le fonds de gestion. Ça veut dire que l'Irie, Carrefour qui devrait, je dis, il y a 12 mois, l'Irie, parce que l'économie commune totalement effondrée avec des calvatissants depuis 14 mois, et pas d'un l'État qui a venu à la rescousse de Carrefour par rapport à la situation d'isolement et conséquences économiques et faits, mais face aux fiscalités locales, municipales, Carrefour là. Mais commune deuxième, troisième catégorie, sont responsabilité totale du pouvoir central à travers le ministère intérieur qui gagne en plus que 27 mois, n'est pas voulu à l'allocation Bayo. Moi, je dis que le ministère finance a doué la collectivité. C'est le ministère intérieur qui a géré un fonds de concours qui est le RGDCT, qui est supposé faire programmation avec la fédération de l'île et que je respecte la programmation en exécution pour ce 12 mois et qui a assurer que Jacmel pas de jeter à 40 mois. Dans 40 mois, Jacmel de là, c'est pas 40 mois où il y a d'allocation ministère à Bali. Le ministère pas Bali en 30 mois parce que Jacmel est une partie dans le fonds propre qui doit prendre pour compléter Péroli. Malheureusement, nous n'avons pas pris Jacmel, d'après le cadre avec magistrat qui a réalisé ensemble au milieu, et bien, ça lui fait que si l'État de traitement et de retard d'allocation a versé à la commune de Jacmel, et bien lui-même dit qu'il dit moi pourquoi l'autre retard n'est complété pour capable de l'autre commune, le troisième catégorie, que Chabot, le FI, les pêches, qui n'a pas aucune recette communale propre, et bien c'est l'État totalement à travers le ministre intérieur qui gagne 25-26 mois, qui n'a pas payé. Par exemple, pendant le ministre Mignola, il gagne peut-être 13 mois de gouvernance du ministère. Et il y a 5 mois qui prennent déjà. Ça veut dire que dès avant le gouvernement de la Tévigny, ça veut dire qu'il y a 17 mois à payer au moins à la collectivité. Et nous avons le Sénat, nous sommes vendez-vous contre ça. Et cette pratique continue. Nous avons fait, je dis à celle du content qui est intégré dans le cas. Nous même fédération, nous sommes en train de réunir ce jeudi pour nous dire qu'effectivement, si contre l'encontre intégré, sont intégrés dans le cas-là, l'État doit prendre responsabilité pour lui budgétiser la dette envers les collectivités et que l'engagement qu'il prend pour programmer son rang pour capable de respecter les dépenses obligatoires des petits traitements de salaire, les dépenses pour faire patronal et pour assurer qu'il y ait animation sur ce territoire-là. Donc, une organisation et industrialisation dans le pays, à quoi niveau collectivité aujourd'hui, et Jude Edouard. Magistrat Jude Edouard. Allô? Magistrat Jude Edouard, vous avez entendu moi? Oui, je m'entends. Oui, alors, je vais demander ça. Mais, municipalité qui est dans la première catégorie, vous n'avez pas rentré comme du tout? Est-ce que quand vous faites partie de la première catégorie, pour ça, comme si selon ce rapporté là, il y a une municipalité qui doit environ 40 mois, il n'y a pas payé. Il y a un pôle locatif, il y a l'autre bagage, je pense, qui fait mairie, il y a rentré quoi. Il n'y a pas rentré quoi du tout. Pour qui ça, il y a doué tout le mois ça. Est-ce que vous dépend totalement, qui t'aime fini, bon moment de ça, est-ce que toute municipalité ça, il dépend totalement du ministère intérieur? Pardon, non. Les municipalités de deuxième catégorie, ça dépend totalement du ministère intérieur. Si on partit le jeune, la municipalité à travers le fonds de gestion, et complément, le jeune, même obligation, recette propre au niveau territoire communal par loi.
mairie troisième catégorie dépend exclusivement de l'allocation du ministère. Jodia qui accusé plus de 27 mois de retard. Donc, les gains d'insécurité et des problèmes dans la mobilisation recette. Ça fait, nous voulons un gros coup de chapeau pour DGI, le ministère des Finances, qui a responsabilité, Jodia, pour lui, d'autres pays, du premier code général des impôts, et que la donne est intégrée au troisième parti qui a parlé de réforme de la fiscalité locale. Une première opportunité historique depuis votre constitution 87 là pour pré-localisation d'une effective tout bon gré pour effectivement gagner une fiscalité propre et que ce n'est pas seulement mairie Carrefour, mairie Delma, mairie Tabar qui a collecté recettes pour mairie qui n'en font son pays là, qui gagne magistrat qui a été déstabilisé sous donné, mais nous qui. Allô? Bon, nous avons pour conclure avec le magistrat Jude-Edouard Pierre, agent exécutif intérimaire, commune Carrefour. Paul André Banon, Banon Titan, et pour nous capables de conclure avec Jude-Edouard Pierre, pour nous capables vraiment prendre l'autre sujet matin. Allô? Allô? Ok, difficile pour nous rétablir contact avec Jude-Edouard Pierre. Voilà, les la même synergie la parler qui t'a dû gagner entre élus locaux. Ok, non, c'est pas juste. C'est pas juste. Oui, restez là, Paul André. Maintenant, allez, la même synergie et les souligner qui t'a dû gagner entre élus locaux dans quatre batailles contre la sécurité, comme si Kazek, Azek, magistrat avec autorité policière et judiciaire pour bataille contre banditisme, activité criminelle dans la commune. N'a pas demandé le rapport développé avec magistrat pour le président de la raison. C'est une question Matissan notamment. Parce que pas oublier, Matissan. Oui, je les dois là. Oui, oui. Conclu avec réponse Lydia, moi j'ai une précision, ma demande très rapidement. Comme les communications ont été coupées, ou mettre conclu avec réponse Lydia, moi j'ai une question pour tout petit. Je ne peux pas vous répondre, s'il te plaît. Nous demandons pour conclure avec réponse qu'on a bâillé par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure. Et après, la posons une dernière question pour nous capables de finir. D'accord. Moi, je vais essayer d'avoir la continuité ou de finir pour vous dire que la commune troisième et deuxième catégorie, ça dépend totalement du ministère là. Les bons partis nous joignent et les bons partis qui nous mobilisent. Comme je dis, il y a aussi que pas augmenté, je me dis tout à l'heure. Le ministère des Finances, à travers le DGI, offre à moun qui a bataille de fiscalisation dans le pays la plus grande opportunité historique, nous le dit, parce qu'il parle de le pays du premier code général des impôts, et là-dedans, il prévoit en refonte de textes et traités de la fiscalité locale, modernisés, parce qu'il y a vraiment des outils obsolescence de ces textes, et que mise en application, eh bien, pas mal de rendement fiscal assez important par rapport à dépenses de l'organisation. Donc, je dis à FENAM, FENACA, FENAFECNALISI, engagé pour le travail sur le texte, faire recommandations pour rapidement aider l'État, eh bien, le gouvernement mettre en application, parce que soit fait pour l'organisation, il y a deux bagages qui marchent. C'est transfert de compétences concomitamment avec le transfert des moyens, ça nous félicite, nous transférons les compétences dans les collectivités, alors que nous avons des moyens, donc nous sommes ça, nous croyons que ce sujet qui vous débattre pour débloquer la rue, pour nous condamne, pour renforcer les collectivités, mais quand vous allez ouvrir la case de 27 mois, magistrat de 27 mois, il va toucher, employer 22 000 personnes qui travaillent dans les collectivités, pas qu'à toucher, il va y avoir accès à la subvention de l'État. Alors, ce travail dans l'État, il y a une fois que la blue sentie, il a touché 7 000 gouttes, 8 000 gouttes, il y a 27 mois, il n'a pas touché. Mais parce que des personnes qui ont retrouvé dans chaque entrée de l'école, pendant qu'il y a toujours des subventions. L'école communale, justement, pas d'accès à PNCS, pendant que ces petits mounes nous prennent comme magistrats pour nous, qui pas de moyens pour nous aider. Alors, que quand il y a bail, l'école communale, pas d'accès à la pratique scolaire nationale, donc c'est une opération. L'avenir, il y a
décentralisation, si ensemble de nous faire un contrôle positif, pour nous renforcer et tout cela, et deux collectivités à biceps. Ok, magistrat Jules-Edouard Pierre, en si peu de mots, en guise de conclusion, tout. Moi, t'as demandé tout à l'heure, dans la même logique synergie, où tu es souligné tout à l'heure, qui t'es doué dégager, où t'as doué dégager, entre les élus locaux et les autorités policières et judiciaires dans le cadre de bataille qui a peine contre insécurité, banditisme, activité criminelle dans la commune. Nous avons demandé, ou même comme magistrat à Carrefour, qui rapport.